Coucou tout le monde, bien, bien, bien. Alors on se retrouve parce que hier j'ai reçu ma box du mois de d'octobre de la société Q, c'est une librairie, non, on travaille avec des librairies et tous les mois je prends une box. J'ai tourné ma boîte, alors elles sont géniales, j'en ai arrivé 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce mois-ci, on va. Et après, je les garde les boîtes, parce que, vous voyez, elles sont bien, et ça permet... Je vais mettre des papiers à 4. Alors. Toujours des belles boxes. Non, je vous montre. Voilà. Vous voyez, c'est le livre et plein de petits cadeaux. Alors. Je vous montre le livre à la fin. On a toujours le marque-page. Avec le mot du libraire. Cube. Oh, il est trop belle, regarde. Il est trop beau. Le mois dernier, j'avais eu... j'ai eu celui-là. Déjà, les autres sont toujours dans les boîtes. Alors, le commentaire du libraire. Un thriller rythmé efficace. Des personnages intéressants pour une intrigue qui prouve que l'amour peut parfois conduire au pire. Alors, petit cadeau. Moi, mois dernier, j'avais eu celui-là. C'est le même. Petit carnet comme ça, avec un livret doré. Il marquait s'évader. Créé avec amour par Q. Donc c'est des pages. Elles sont jaunes. En bois blanc. Petit carnet, oui. Hop. Donc les gars. Ensuite. Ça c'est quoi? Un chocolat. Alors je ne mange pas, c'est du noir. Praline, c'est du noir. Noir praline. Chocolat. Le A, d'ailleurs on a un petit journal. Oh, c'est génial. C'est un bullet journal pour les livres. D'habitude, c'est une espèce de journal, magazine. Trop beau. En exclusivité pour les cubeurs. La franchise de Montmartre. Donc c'est que sur ce livre-là. On a un journal de pensée. En fait. Ouais, c'est à partir d'un tableau de peinture. Ils ont établi le. Puis le journal, après on fait ce qu'on veut. On a le calendrier 2025. Là, un autoportrait de Suzanne Baladon. Oh, attendez, c'est qui? Où elle était modèle et après elle va étudier la peinture. C'est un peintre. Après, nous avons les anniversaires. Ah, ça, c'est cool. Et après, je peux le décorer des stickers. Après, on a une peintre sculptrice et illustratrice.
À chaque fois, on a une photo. Bon, enfin, on peut mettre un papier dessus. La liste des choses à faire. Là, on a Berthe Morisot. Chez les peintres. En fait, c'est sur la peinture. Ouais. Les choses à faire. Avec Jacqueline Marval. Je connais pas. Mes livres à lire, ça c'est cool. Là, on a Marianne Kamak-Zoyer. Livres à lire encore. Là, on a encore des peintres. Mes livres lus. Ah, ça c'est génial. Je n'ai pas remarqué. Et je vais pouvoir noter par exemple ce que j'ai comme livre déjà. Il n'y aura peut-être pas assez, je rajouterai. Ça, je vous dis, ça, je vais les cacher. Mes livres lus, mes films à voir. Ah, moins. Là aussi, il y a 2 pages. Mes séries à regarder. Moi, je serai que pour les livres. Mais une série à regarder, oui, il y a 2 pages. Après, on a Do et Ba. Donc ça, c'est pas mal. Oh, ça, c'est génial. Une pochette à livres. Ah, si, il y a une magazine et honte. J'avais une jaune, tu vois, mais plus grande. Elle est trop belle. Son thème. Ah ouais. C'est par rapport au livre qu'ils ont fait les couleurs. Voilà. Oui. Mettez votre livre dedans. Hop. Voilà, comme ça, il est protégé. Génial. Puis c'est super bien. C'est brodé. Ensuite, on a. Ah, la carte privilège. Ouais, parce que c'est bientôt Noël. Donc, c'est. Ouais, c'est 10% sur les coffrets livres en édition limitée et 10% sur toutes les cartes cadeaux d'abonnement avec un code exclusif. Donc, si ça vous intéresse, vous scannez et le code. Il a en rouge. C'est cube. C'est valable jusqu'au 23 décembre. Et ce que je vous disais, la gazette, voilà. On a toujours la gazette. La terre des légendes. Ah oui, c'est sur la Scandinavie. Après, littérature nordique, clin d'œil mythologique, oui, avec le pudette. Portrait d'une méditrice et lecture d'Halloween Boy, c'est ça une molto. Ça peut donner des idées. Coup de cœur et plein de polars. Et plein de polars pour cet hiver. Vous voyez, c'est une petite magazine pour ça. Journal. La gazette. Ça fait penser à Harry Potter. Voilà. Donc, je remets ça dedans. Une bulette chocolat, je vais pas le remettre dedans puisque je vais le donner. Et le livre, hein. Sandrine Deston, les disparus de la Durance. Donc, c'est le mois d'octobre. C'était basé sur la Scandinavie
Alors, le résumé, on en a compté 7. Ouais, si vous aimez pas le gore en potier, écoutez pas Rémi. 7 pieds tranchés à hauteur de basket, puis abandonnés au flot de la Seine, attachés l'un à l'autre par les lacets. Que signifie cette guirlande sortie? Et pourquoi l'avoir jeté là, juste en face du 36 quai des Orfèvres? Pour Martin Bass et son équipe, il ne peut s'agir que d'un message à leur intention. Un rappel peut-être, car il apparaît très vite que cette étrange affaire fait écho à plusieurs enquêtes, passées, classées ou non, qui prennent source dans la Durance, charriant avec elle un très ancien fleuve de sang. Wow. Il a l'air génial. Bon, pas très gros, hein, c'est des poches. C'est un thriller cette fois-ci. C'est édition pocket. Franchement, wow, j'ai hâte de lire. Bon, il faut que je finisse l'autre du mois de temps. Parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas fini. Je suis un peu plus à moitié. Ça, c'est le mois dernier. Donc, je vais laisser temps. Hop. Et comme ça, je lirai quand je refuse. Voilà. Bah, écoutez, c'était ma box du mois d'octobre. On reçoit à peu près quelqu'un de chaque mois. Donc, c'est décalé d'un mois à chaque fois. Je suis contente, franchement. Ils sont améliorés sur les petits cadeaux. Au début, ils mettaient du thé ou du café. Je n'aime pas le thé et le café. Donc, du coup, ils ont commencé à mettre des gâteaux, du chocolat. Voilà, c'est top. Et les petits cadeaux, j'adore. Et comme je vous dis, les box, les boîtes, elles sont géniales. J'ai pas essayé de mettre une feuille à 4. J'ai pas. Mais ouais. Je pense qu'on peut mettre une feuille à 4. Non, j'ai pas. Donc voilà. C'était la box cube du mois d'octobre. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et demain, il y a Charlie. Avec mon anniversaire, j'ai 2 colis à ouvrir. Copinette qu'on fait des folies. Et je vous montrerai aussi mes cadeaux d'anniversaire. Bah ouais, j'ai été à la Fnac hier. Donc je les ai choisis. Je voulais des listes, amis. On a eu celle-ci aussi comme. Comme marque-page. Je vais me faire une boîte. Mais je vais me la faire en scrap. Pour mettre tous mes marque-pages dessus. Très pas mal. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.